Moi, j'aime bien reprendre à chaque fois. Hein. Donc, on avait écrit petits hôtels, édifices peu, colorés, clinquants, issus de nos univers de consommation, à façonner et incruster dans les creux et recoins de la ville. Imagine du monde et tout ce dont on pense que les parents vont être contents de faire apprendre à leurs enfants en jouant. Donc les jouets, ça représente pratiquement tout notre univers. Ce qui fait que si vous imaginez un archéologue dans 200 ans en train de gratter la terre, ce que vous allez retrouver, c'est pas des statuettes en terre cuite, vous allez peut-être retrouver des petites statuettes en pétrole et vous direz, c'est génial, on a trouvé voilà, une petite statuette de Mickey ou un truc McDonald's, ça date du début du 21e siècle, peut-être de la fin du 21e siècle. Allez Loulou, on s'arrête, on s'assoit. Bougez plus, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17 avec Jojo. Je vous ai amené, je crois qu'il y a quelques bouches, des poissons, des choses comme ça. Le Pic à 7, ça pouvait être marrant aussi d'avoir cette iconographie un peu de. Qui est quand même présente. Moi, le truc dont je me rappelle avec ça, c'est le poulpe sur la place. Alors, on va peut-être tourner un peu autour de la nocturne. Je le vois toujours 10 fois plus grand. J'ai toujours l'impression qu'il étend ses tentacules sur la ville. Et que 7, c'est une ville qui a un côté très, très poulpe. C'est la jungle des animaux marins, on va dire. Ah, ouais, c'est ça. Que les pingouins, c'est pas trop marin. Ouais, enfin, ça vit dans l'eau. Enfin, à côté. C'est une sorte de sous-marin, quoi. Donc, travailler sur ces agglomérats de jouets, pour moi, c'est aussi essayer de reconstruire quelque chose, un discours autour de notre époque. C'est très belle l'accumulation de détails. Il y a beaucoup cette notion d'agglomérat, en fait. Palais de Mamorte sur le Haut-Rhin, il y en a partout. Ça fait tout dans le même ton, au moins. Non, arrête de laquer, tu vas laquer sa caméra. Ah ouais, laque pas la caméra. Voilà. Ce qui est chouette, c'est de voir justement la manière dont les objets vont migrer. Parce que là, on est aussi... Enfin, je suis dans quelque chose d'un peu sauvage dans mon travail, qui est proche du vivant, autour de la survie. Chaque corps, en fait, est dans une forme d'implosion. C'est-à-dire qu'en fait, on résiste aussi au vieillissement, à la forme de désagrégation de nos cellules. Au fond, tu vois un petit monticule de terre, comme une termitière, qui a presque des yeux et qui te regarde du fond du champ. Et si tu veux aller dans cette direction, on te dit non, faut pas y aller. Les cheveux, les cellules qui tombent, la peau, en fait, on n'arrête pas de recréer des choses et on essaie, il y a une force qui nous maintient. D'abord, on a l'illusion d'être une personne alors qu'on est peut-être plein de choses dans notre tête, mais même notre corps, en fait, même si on se coupe les ongles et les cheveux, on a l'illusion d'être quelque chose qui a une unité. De la même manière qu'une ville, c'est aussi un ensemble de destinées individuelles qui chacune va dans une direction. Mais à un moment donné, il y a des gens qui organisent et puis les gens se disent « Ah, on est sétois » ou « Ah, on est arlésien ». Il y a une forme de dynamique aussi un peu centripète qui lutte contre justement le fait que tout soit éjecté. Et quand je fais des objets comme ça, je rassemble les choses. C'est ce que vous allez essayer de faire. Vous allez essayer, vous aussi, de rassembler quelque chose comme une explosion à l'envers. Vous vous rappelez le générique des Guignols de l'info? Il y avait la terre, et boum, ça a explosé. Ou alors ça revenait. Ben, c'est un peu ça qu'on va faire. C'est ici la folie. C'est quoi? C'est Pixar à Disney. Ah, c'est Pixar à Disney. Il est content, il va jamais tenir le dragon là. Mais si, tu mets des petits châteaux similaires. Et la folie, c'est où alors? Il m'a dit on fait la folie. Ah oui, vous avez mis du pistolet comme ça. Ah, c'est vous la folie là, ouais. Ça se voit tout de suite. Ouais, regarde, en plus on prend l'acide d'assin, regarde. On prend l'acide d'assin, on va faire. Oui! Qu'est-ce qui marche encore? La folie. Oui, ça marche mal. Donc lui, il va venir faire quoi, le buzz, là, dans tout ce bazar? Mais en fait, il est aussi vainqueur d'une autre baston. Mec, c'est lui qui fait manger avec les autres. Lui, il a gagné une baston, mais qu'on ne voit pas sur les tables, qui c'était ailleurs. Vous pouvez aussi trier ici, vous pouvez poser des choses. En fait, ils vont devoir faire des catégories. Oui. Ça peut être par taille, par couleur, par thème. Oui. Okay. Exactement, on pourra en reparler. Voilà, c'est à vous de choisir, mais je peux vous donner des pistes. Après, il y a des catégories qui viennent tout de suite à l'esprit, comme effectivement les couleurs. C'est la couleur en fait. Collection de poupées. Ou comme la thématique de la mer, ça c'est des choses simples. Et vous pouvez avoir des catégories très particulières.
Et ce qui est intéressant quand vous faites ça, c'est que vous rentrez, moi en atelier, j'ai des tas de pratiques qui sont des pratiques artisanales ou physiologiques, qui sont presque en art martial, d'échauffement, de mise en condition, de mise en transe. Quand on a des grands sacs de jouets et qu'on sort toutes ces choses, ça veut dire qu'en fait, à un moment donné, il faut développer son intuition. Et pour développer son intuition, j'ai l'impression qu'il faut se brancher sur une forme de flux inconscient et de production d'images aussi collectives. Et ça, en fait, on y arrive bien avec les jouets, parce que les jouets, ils sont là pour ça, quelque part. Ils sont là pour que tu oublies que tu es dans ta chambre, quand tu es petit, et que tu te fantasmes un monde. Donc, en fait, ce qui est difficile, c'est de trouver le juste milieu. C'est-à-dire que si on est trop dans « Oh, il est joli ce jouet », c'est pour ça que vous arrêtez tout à l'heure quand vous commencez à regarder, il ne faut pas être fasciné par le jouet. Si vous êtes fasciné par le jouet, il va vous dominer. Vous pouvez passer une heure à dire « Ah, je le mettrais bien sur mon bureau, parce que vraiment, c'est la classe. » Ah, chirurgie. Regardez. Ça, tu piques les jouets de ton gamin. Mais normalement, c'est l'inverse. Et là, vous avez perdu le truc, parce que le jouet a gagné. Par contre, si vous commencez à partir dans quelque chose, le jeu vous entraîne, mais en même temps, vous maîtrisez un peu la chose, vous allez commencer à faire du Tetris. C'est-à-dire à vous dire « Tiens, c'est un kangourou, mais c'est intéressant parce qu'en fait, il a une forme, le kangourou. » Et en fait, je pourrais peut-être « Ah, ça ferait bien le bec d'une U. » Ou alors, ça serait intéressant de travailler sur les muscles des mammifères, comme pour un Archimboldo, avec de la viande, des volumes. Et en fait, vous allez commencer à avoir une réplique autour des formes, et après, vous allez beaucoup plus vite quand vous construisez. Est-ce que c'est le pistolet à colle ? Alors, on a du pistolet à colle, c'est génial, c'est parfait, parce que c'est très rapide. Si vous avez l'habitude d'utiliser sans vous brûler, c'est vraiment génial, le pistolet à colle. Moi, j'ai découvert ça sur le tard. La seule chose qui est nulle, c'est qu'à terme, ça fait des similaires si on n'est pas du tout là-dedans, mais si vous êtes artiste professionnel, tout resolidifié derrière, ou mettre de l'acrylique dessus transparent, ou peindre votre pièce ou quoi, mais c'est pas solide. Par contre, pour un exercice qui est quelque chose d'un peu temporaire, on peut y aller. Alors si c'est pour des nichoirs qui doivent rester pendant 2 ans dans le jardin de l'école, c'est peut-être bien de ne pas mettre que du pistolet à colle, et que dans ce cas-là, vous m'appeliez à la rescousse, et que moi j'essaye éventuellement à ce moment-là de Bah dis donc, ça y est, là, elle est laquée de chez laquée. J'ai la carte. Ah, tu prends en photo. Retire-toi. Pour moi, là, c'est bien alors, laquée. Ça, c'est vous. Ouais. Il y a fait une exposition à Arles, de chaussures, sur les plages. Et en fait, il disait que c'était les chaussures des migrants qui meurent en mer. Et c'était du coup une exposition très touchante. Il y a quelqu'un d'autre qui a fait une exposition de chaussures des migrants qui sont arrivés. Et en fait, c'est des chaussures, ça peut être deux bouteilles écrasées avec une ficelle. Et en fait, c'est à la fin du voyage, on voit dans quel état sont les chaussures, et ça montre d'une certaine manière la fatigue et les efforts que les gens ont fait pour arriver. Et quand j'étais au Maroc, je trouvais qu'on trouvait vraiment beaucoup de vieilles chaussures sur les plages, comme ça, qui flottaient. Et la chaussure, alors qu'on trouve aussi des chemises ou des pantalons, le pantalon et la chemise s'affaissent, et la chaussure garde vraiment l'empreinte du corps de cette manière, on a l'impression que la personne est encore dedans. On trouve un téléphone portable ? C'est rigolo. Voilà. Le fait que ça apparaît dans certains objets, il y a ce lien aussi avec la cabane, l'abri, la vie sauvage, le campement, voilà. Et ce que je vous propose de faire avec moi, vous pouvez très bien aussi être dans des objets figuratifs si vous avez envie, hein, de faire un cheval, une pierre, un personnage, mais globalement, si on arrive à partir sur aussi une idée de recréer un petit endroit, donc avoir des formes au début qui sont un peu droites, c'est-à-dire qu'on cache quelque chose d'une certaine manière dans une boîte, que ce soit un coucou, une cabane ou quelque chose, et puis par-dessus, on peut construire quelque chose. Donc ça, c'est un peu la proposition de l'exercice, même si on peut en sortir. Et pour cette raison, je vous ai amené les cassettes vidéo. Les cassettes vidéo, c'est pareil, on va les mettre à part. Ils en font des tiges très profondes dans le sol, ils font des piliers en béton, et ils coulent une dalle de béton avec déjà les trous, avec les tuyaux qu'on met pour faire passer l'électricité, tout ça. Et c'est la dalle de la maison. Et une fois qu'il y a la dalle de la maison, bah, il n'y a plus qu'à bâtir une maison. À la limite, on peut la bâtir en chewing-gum, en paille ou en ce qu'on veut, mais au moins la maison, elle repose sur des formes de fondation qui fait que ça ne bouge pas. Et là, les cassettes vidéo,
Vous allez voir, c'est pratique parce qu'on peut se dire, tiens, ben, je pars de là, un peu, c'est un peu enfermant, c'est vrai, mais ça donne aussi une idée d'une taille, de quelque chose, et qu'on peut aller accrocher au mur, voilà, en disant, voilà, j'ai cette base et je construis quelque chose dessus. C'est un killer, c'est un chien au killer. Génial. Nous qui devons le faire, toi. Attends, le concept. Et au moment où ça s'ouvre, au moment où ça fait ça, tu vois, il y a ça, il y a le mec en haut là qui joue de la batterie. Il est où, il est là. Défier au Pullman. Alors, l'araignée. Tes pouvoirs me déçoivent. C'est pas grave, c'est poétique. Alors la table des fous. Les fous ont beaucoup beaucoup d'idées, ça avance pas très très vite, mais ça avance quand même tranquillement. Ça avance, ouais, mais ouais, ouais, ça va bien se couler là, tu vois, comme ça. Ça aussi, mais on l'a pas. Après, on le réveille. Ça, on va le mettre comme ça, tu vois. Ouais. C'est génial, moi j'adore. Tu ouvres le coffre derrière et tu montes le caddie pied de poule. Le caddie pied de poule. Sarah, tu vas quoi? Oui. Joachim, des bras. Juliette, je la kiffe. Et c'est comme si on était dans un déluge d'objets et dans un bidon vide, on relève finalement les ordures pour les transformer en abri. On se rend compte qu'une planche, un tonneau, une machine à laver, tout ça, ça peut devenir des formes d'abri, en fait, pour reconstruire des sortes de maisons, en changeant les objets de fonction. Allez les enfants, en scène dans 5 minutes. La chambre et la clochette. C'est chaud. Allez, on y va. C'est pas le truc qui bouge, c'est, ben, c'est juste le verre. Pas encore, je crois. Sorti. Et ça serait super, imaginez que peut-être au printemps prochain, ça va vieillir un petit peu au soleil et à la pluie, mais qu'il y a peut-être des mésanges qui sont capables de faire leur nid dans les boîtes aux lettres ou quoi, qui viendraient faire leur nid dans votre œuvre. Et là, vous êtes vraiment dans une œuvre qui est par un rapport au vivant. Jette de la terre pour que ça se voit. À mort là. Qu'est-ce que tu fais, Thibaut? Morgane. Alors, est-ce qu'on en met une autre à l'école ou pas? À la boîte aux lettres. Parce que c'est le seul endroit où on est sûr que ça va pas trop partir. Tu viens de la luge. Attendez, Sylvette veut faire un petit briefing là pour la balade. Dès que si on s'attaque à un mur d'un particulier ou quoi, c'est clair que ça va pas lui faire plaisir. C'est ça, c'est le plus constructif du travail, de chercher l'endroit adéquat, oui. Vraiment. Oui. Après, il y a des endroits aussi, peut-être déjà dans l'école, tu vois, les murs qui environnent l'école, ça en peut. Peut-être s'exercer. C'est un mouvement philosophique qui s'appelait le schisme. Fais voir l'œil. C'est à avoir des attitudes en fait un peu provocantes. Et là, ce que propose Sylvette, justement, quelque part aussi, c'est qu'on provoque quelque chose dans la rue. C'est mon œil alors, quoi. Attends. Après, on va le centrer, regarde. Voilà. Donc reculez-vous, comme ça on peut prendre une photo. Elle est où, Sylvette? Fais voir l'œil. Lâche l'œil, Hector, lâche. Oui, oui. Voilà, il va falloir qu'on soit un peu malin là-dessus. Et il faut qu'on analyse le contexte aussi, effectivement, parce que, en fait, à la fois pour ne pas avoir de problème, et tout simplement aussi pour que les œuvres restent plus longtemps. Si on trouve les bons endroits. Et bien en fait, il y a une manière de faire qui fait que... Mais si on est capable de mettre un clou, dans ce cas-là, il n'y aura aucun problème. Parce que, voilà. Moi, le cheval a fait plus gros. Mais si on travaillait dessus, on pouvait très bien s'amuser celui-là, le mettre dans un endroit, pas au mur, mais par terre, ou poser sur un muret. Je ne vais pas coller plus le bon sujet. Non, tourne-le vers nous. Tourne-le plus oui, vers nous. Oui, dans les jeux. Comme ça, ouais, c'est voilà. Bien. Ouais, il a 10 ans. Elle est bien là. Je m'accuse où il y a des notes proposition. Et c'est toi qui m'as dit non, je m'accuse, c'est bien. Dans le monde qu'on est en train de construire, il faut qu'on associe nos disciplines, nos visions des choses, pour arriver à avoir une vision globale des choses, avant qu'elles disparaissent. C'est un côté briquet de broc aussi, un truc de... J'ai voulu faire somptueux, mais c'est pas cher. Genre, t'as la moitié de sur les 6 colonnes de façade, t'en as une, c'est du vrai marbre qui vient de pas loin, là, hyper cher, tu vois, qui ressemble vraiment à du marbre de Carrare. Et puis, à côté, t'as la colonne qui s'effrite parce que c'est du stuc pas cher, quoi, tu vois.